Et que l'honneur revienne à notre Dieu. And that the honor comes back to Ce matin, nous allons partager un thème important. This morning, we're going to talk about something que j'ai intitulé Réveille-toi de ton sommeil. Which I call Get up from your wake up from your sleep. Réveille-toi de ton sommeil. Wake up from your sleep. Je peux nous lire Proverbe 6, de 9 à 11. Can you read Proverbs 6, verse 9 to 11? Ou celui qui a tout fait peut nous lire. Well, fine, you can read. How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Amen. Amen. Je lis en français. I'm reading French. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croisée de main, en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme amar. Alléluia. Amen. Je ne serai pas dans ce matin. I want to be loved this morning. Et je vais vraiment vite aller dans le but. I will go straight Lorsque nous lisons ces textes, when we read this text, nous voulons faire une étude sur ça. We want to study it. D'emblée, nous pouvons croire que Dieu ne permet pas à ce que l'homme puisse reposer. It looks like the Lord doesn't want us. To rest. Parce que le sommeil en soi c'est quoi? C'est le repos. Because what is rest? What is sleeping in fact? Lorsque vous travaillez, when you're working, après un certain moment vous allez sentir la fatigue. After a certain time you feel tired. Pour vous ressourcer, in order to gather yourself back, vous devez vous reposer. You need to rest. Et ce repos-là, c'est ce que nous appelons sommeil. And that is the rest that is sleeping. C'est le repos-là, pendant que vous dormez, c'est cela que nous appelons sommeil. It is that sleep, that rest that you are having, that we call sleep. Mais si vous lisez la Bible, but if you read the Bible, Dieu dit dans Proverbes, God says in Proverbs, un peu de sommeil, a little bit of sleep, un tout petit peu, a little bit of it, pourra t'amener dans la pauvreté, will take you to poverty, pourra t'amener dans la disette, will take you to lack, comme pour dire, just like, l'homme doit travailler. As if he's saying that 24 heures sur 24. Working 24/7. Si nous ne lisons pas selon le rhéma. If you don't read it according to the rhéma. Selon la révélation de Dieu. According to God's revelation. Cela veut dire que l'homme doit travailler 24 heures sur 24. It means that God is saying that man has to work 24 hours, 24/7. Mais je voudrais que nous puissions maintenant aller dans la pensée de Dieu. But now I would like us to go into the thought of God. Comprendre pourquoi est-ce que Dieu a dit un peu de sommeil. And understand why God says that a little bit of sleep. Un peu de croiser des bras. A little bit of resting. Un peu d'assoupissement. A little bit of resting. La pauvreté te surprendra. And then you become poor. Christ est allé avec les disciples à Gethsemane. Jesus went to Gethsemane with the disciples. Il est allé prier. He went to pray. Il est allé chercher la face de Dieu. He went to look for God's face. Il a vu la souffrance qu'il allait emmener pour le salut de l'humanité. He saw the suffering that he was going to go through because of, for the humanity. Il est allé avec quelques disciples. He went with some disciples. Et de là, ils ont commencé à prier. And then they started praying. Après un certain moment, Christ s'est éloigné d'eux. After a certain time, Christ left them and went a bit further. Et il est rentré pour le voir s'il priait. And he came back to see if they were still praying. Mais ils étaient tous endormis. They were all sleeping. Ils étaient tous endormis. They were all sleeping. Et quelle était la réaction de Christ? What was Christ's reaction? Vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant une heure. You were not able to remain in prayer with me. For 1 hour. Même pendant une heure. Well, 1 hour. Juste entre parenthèses. And by the way, le minimum de la prière que vous pouvez faire. The minimum you can do in prayer.
C'est une heure. It's 1 hour. Même pas une heure, vous n'avez pas pu prier. Not even 1 hour you were able to pray. Il les a réveillés. You woke them up. Après un certain moment, il rentre encore pour vérifier s'ils sont en train de continuer à prier. After a certain time, he came back to see if they were still praying. Là, ils étaient profondément jetés dans le sommeil. Now they were deep asleep. Il les a laissés comme ça. He left them there. Mais la pensée de Dieu pour eux, c'était quoi? So that if tomorrow there is temptation, qu'ils soient en mesure de le vaincre. They will be able to defeat it. Donc si nous entrons dans la pasteur de Dieu, if we enter into God's, quand il nous dit un peu de sommeil, when he tells us a little bit of sleep, un peu de croiser les bras, a little bit of rest, un peu d'assoupissement, a little bit of sleep, la pauvreté te surprendra, and then you become poor. Je vais tout simplement dire, that means que les enfants de Dieu, that the children of God, sur le plan spirituel, way, nous devons être nos alliés. We have to be watchful. C'est-à-dire que notre vie doit être une vie de prière quotidienne. It means that we have to have a regular prayer life. Qu'il n'y ait pas une barrière entre nous et Dieu. That there shouldn't be a barrier between us and God. La prière doit être comme la respiration de l'âme. The prayer has been like your soul is breathing. Je peux parler en priant. I can speak while praying. Je cause avec quelqu'un mais je suis en train de prier dans mon intérieur. I can be talking with someone while I'm praying inside. Je peux en train de conduire en train de prier. I can be driving my car while praying. Je peux faire n'importe, je peux travailler en priant. I can be working while praying. Donc rien ne peut m'empêcher de prier. Nothing can should stop me from praying. Bien aimé, il y a une chose. Une chose qu'on ne peut pas bloquer dans votre vie. One thing that no one can stop you. Le diable peut vous bloquer le main. The devil can stop your hands. Il peut vous bloquer les pieds. He can stop your feet. Mais il y a une chose qui ne peut pas bloquer. But there's one thing that cannot stop you. C'est votre bouche et votre intérieur. It's your mouth and what is inside. Si je suis capable de parler. If you are able to speak. Donc je suis capable de prier. So you can pray. Si je suis capable de garder mon intérieur pur. If my inside pure, je peux prier intérieurement. I can pray inside. Et Dieu m'attendra. And God will hear me. Mais le problème c'est quoi? But what is the problem here? Un peu de croiser le bras. A little bit of rest. Un peu d'assoupissement. A little bit of sleep. La pauvreté te surprendra. And poverty will meet you. C'est-à-dire l'homme doit être prêt à tout moment. It means the man has to be ready at any time. Préparé à toute éventualité. Ready for anything that will show up. Préparé à tout combat. Ready for any fight. Que tout ce qui pourra lui arriver, whatever comes to them, il doit être à mesure de pouvoir le vaincre. He has to be ready to defeat it. Il doit avoir les yeux ouverts. He has to have their eyes to be open. Je me souviens un jour. I remember one day. J'étais en train de dormir. I was sleeping. Dans mon profond sommeil. In my sleep. Cet exemple est venu maintenant là que je suis en train de prêcher. I just thought of this example right now as I'm preaching. Mais pendant le sommeil là. During that sleep. Je rêvais qu'on était venu tuer une de mes nièces. I dreamt that they came to kill one of my nieces. Par les sorciers. That sorcerers came to kill one of my nieces. Et je commençais à prier et à chasser les démons. And then I started praying and chasing demons away. J'étais sous le sommeil profond. I was deep asleep. Mais les paroles sortaient. And the words were coming out of my mouth. Je priais à haute voix. I was praying loud. Mais je dormais. Why actually I was asleep? Ma mère le matin me dit. My mom told me in the morning. Mais je te dis crier, prier, faire des prières d'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? But I saw you doing spiritual fight, warfare fight. At night. What happened? Je lui ai demandé moi. I told her me. C'était vers quelle heure? What time was it? Elle me dit c'était vers 3h du matin. She said it was around 3 a.m. Je lui ai dit non, moi j'ai commencé à prier à 5h du matin. I told her that wasn't me. Elle m'a dit non. Tu as commencé à prier à 3h du matin. She said no, you started praying at 3 a.m. Tu avais fait une courte prière avant. She said you did a little prayer first. Mais à partir de 5h, je te vis prier. And then from 5 a.m. I heard you praying. Alors je demandais à maman, quelle était la sorte de prière? Elle m'a dit non, tu chassais un démon qui cherchait à menacer ta nièce. And then I asked her what was the prayer I was doing. Et directement, ce songe-là est revenu. And then she said you were actually chasing people away who were trying to kill your sins. C'est pour dire que même dans mon sommeil. And then I remember that dream, and then that is to say that even in my sleep, mon esprit my spirit
was praying. Mon esprit peut prier. My spirit can pray. Un peu de sommeil. A little bit of sleep. Un peu d'assoupissement. A little bit of rest. Un peu de croiser le bras. A little bit of waiting. La pauvreté de savoir. And poverty will meet you. Nous lisons 1 Roi 3, 18. Let's read 1 Kings 3, verse 18. 1 Roi 3, 18. 1 Kings 3, verse 18. Tu n'en as pas aujourd'hui. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. Alléluia. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. Or, le troisième jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous deux dans la maison. Je vais continuer la lecture. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui et elle s'est élevée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que la servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Donc, si vous lisez l'histoire de 1 Roi 3, if you read the story on 1 Kings 3, à partir du verset 16, from verse 16, ça nous rappelle le jugement de Salomon. It recalls of the judgment of Solomon. À ce qui concerne deux femmes, about two women. Le deux avait des enfants. Both of them have kids. Le deux avait accouché. Both had children. Mais qu'est-ce qui est arrivé? But what happened? L'une durant son sommeil, one dream of sleep, elle s'est couchée sur l'enfant. Slept over her child. L'enfant est mort. And the child died. L'enfant est mort. The child died. Mais dans sa malice, and because she was weak, lorsqu'elle s'est réveillée, when she woke up, elle a vu que sa voisine était encore en train de dormir. She saw that her neighbor was still sleeping. Elle a pris son enfant qui était mort. She took the baby, her own dead baby. Elle l'a déposé chez sa voisine. She gave that child to the neighbor. Elle prend l'enfant qui était en vie. And she took the neighbor's child. Elle l'amène chez elle. Et lorsque celle-là s'était réveillée, elle a vu que ce n'était pas son enfant. She saw that it wasn't her child. Et il y a eu une dispute entre les deux. So they started arguing. Pour prouver à qui étaient ses enfants. To prove whose child it was. À qui était cet enfant. Who was the mother of this child? À qui était cet enfant. Who was the mother of this child? Bien aimé. My beloved. Laisse-moi vous dire. Lorsque vous observez la maison de celui qui est paresseux, when you look at the house of someone who is lazy, lorsque vous observez sa maison très bien, when you look at their house very well, vous verrez qu'il y a des arbres, comment on dit ça? Il y a des arbres sauvages qui naissent là-bas. You can see that white trees are growing. Des arbustes qui naissent. You see the little trees growing inside. Des champignons qui naissent. You see the mushrooms growing inside. Même le pensant quand il passe, il finit la canne de coca, il jette ça dans la maison du paresseux parce qu'il pense que c'est une poubelle. Even the passerby, when they go through, you see it, they see it as rubbish, so they even take their can of coca and they store it inside the house. Il trouve que celui-ci est un paresseux. Because you are, the person is lazy. Et rien ne marche dans cette maison-là. And nothing works in that house. Cette maison-là est comme une poubelle. That house is like a rubbish. C'est comme cela dans la vie d'un enfant de Dieu. It is like that in the house, in the life of God. Lorsque vous n'organisez pas votre vie, if you do not organize your life, votre vie est semblable à une poubelle de diable. Your life becomes like a rubbish, a bin for the devil. Une poubelle du diable. A bin for the devil. Il pourra jeter n'importe quoi. He can throw whatever he wants in there. Il pourra jeter n'importe quelle saleté. He can throw any dirt in it. Si vous ne veillez pas dans votre vie de prière, if you're not watchful through your prayers, vous verrez que le diable vient pour substituer les choses. You will see that the devil is coming to change things. Cette femme avait même bien son enfant. This lady had her child. Mais à
the living child with the dead one. Sa voisine a changé de l'enfant. The neighbor changed the child. Bien-aimé, si on est paresseux dans la vie spirituelle. Beloved, if we are lazy in our spiritual life. Je te dis que le diable viendra remplacer les choses, changer les choses. I am telling you that the devil will come and change things in your life. Il te trouve en bonne santé. He finds you healthy. Il récupère la bonne santé. He gives the healthy life. Parce que tu es paresseux. Because you're lazy. Il te donne la maladie. And he gives you, parce que sachez que les choses marchent deux dans ce monde. Because things work in two tombs in this world. Si il y a une journée, il y a aussi la nuit. If there is a day, there is a night. Donc si vous êtes riche, if you are rich, spirituellement vous êtes riche. If spiritually you are rich, pourvu de toutes sortes de bénédictions. You have lots of blessings. Mais si vous êtes un paresseux, but if you are lazy, vous ne voulez pas prier. And you don't want to pray. Le diable vient, il regarde, il est en train de guetter. The devil will come and look at you. Il vous prend ce que vous avez là comme bénédiction. Take the blessings that you have. Il vous donne la malédiction. And he will give you curses. Donc il prend la pauvreté, il te donne. Poverty and give it to you. Et il prend ta richesse. Your... Donc c'est comme ça qu'il opère, bien-aimé. That's how the devil works. La raison pour laquelle Dieu nous conseille. That is the reason why the Lord is advising us. Un peu de sommeil. A little bit of sleep. Lorsque vous êtes en train de somnoler. When you start sleeping. Le diable, comme la Bible dit, il est comme un lion rugissant. Il est en train de rôder. The devil is, like the Bible says, is a lion. He's going around, he's running around. Il n'est pas un lion comme un lion. He is like a lion. Il n'est pas un lion mais comme un lion. He is not a lion. He is like a lion. Parce que le seul lion c'est Jésus Christ. Because the only lion is Jesus Christ. Lui il est comme un lion. Il tourne autour de vous. The devil is like a lion. He just goes around. Il cherche comment est-ce qu'il va remplacer. He is looking at the way how he's going to replace something. La maladie parle. Te donner la maladie que lui prenne la guérison. He is looking at the way he's going to resume your health and put some. Et si tu n'es pas conscient de ton état, and if you are not aware of your state, tu peux te réveiller, you can wake up dans ton sommeil, in your sleep, et tu regardes ce qu'il y a à côté de toi, and you look at what is next to you, et tu crois que c'est cela pour ta vie, and you think this is what God wants for your life. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que le diable a remplacé. The devil has brought. Raison pour laquelle moi ça m'étonne. That's the reason why I'm surprised. Et il y a des gens qui disent ma maladie. That's why people say my sickness, ma maladie, my sickness, ma pauvreté, my poverty. Il y a d'autres personnes qui disent que nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Some people say we came on earth to accompany the others. Nous sommes venus accompagner les autres. No, I'm not going to say that. I'm not accompanying anyone. Alléluia. Alléluia. Les gens disent ça. People say that they come to accompany others. Je suis venu accompagner les autres. Tellement que rien ne marche dans sa vie. Because things are working well in your life. Je suis venu accompagner les autres. I came to accompany the others. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu comme Dieu m'a demandé de venir. I did not come to accompany the others. I came because God said. Mon temps arrivera. And my time will come. Mon temps arrivera. My time will come. Et je crois que toi qui me suis. And I think you who are. Et je crois ton temps c'est aujourd'hui. I think your time is today. Parce que Dieu ne remet pas ce qu'il va faire demain ou ce qu'il va faire aujourd'hui à demain. Because push away what he's going to do today, tomorrow. Ton temps, c'est aujourd'hui. Your time is today. Cesse de prendre ce qui est négatif comme étant ta propriété. Stop taking whatever is negative as your possession. Cesse de prendre ce qui est mauvais comme étant une propriété de ta vie. Stop making a property of something that is negative. Réveille-toi de ton sommeil. Wake up from your sleep. Regarde proprement ce qui est à côté de toi. Look properly at what is next to you. Ce qui est à côté de toi, c'est ce que Dieu t'a dit. What is next to you is what God has told you. Ce que tu vois à côté, c'est ce que Dieu t'a promis. What you see next to you is what God has promised you. Ce que tu vois à côté de toi, c'est réellement ce que tu aspires dans ton cœur. What you see next to you is what you really had inside your heart. Regarde très bien ce que tu as à côté. So look carefully at what you have next to you. J'aime bien cette femme. Lorsqu'elle s'est réveillée, when she woke up, elle a vu l'enfant qui était à côté d'elle. She saw the baby next to her. Elle dit non, ça ce n'est pas moi. She said no, this is not my baby. Ça ce n'est pas moi. This is not my baby. Nous devons avoir un esprit de révolte. We have to have that spirit of revolt. Quand rien ne passe en votre vie, vous devez vous révolter. That's many times in our life to get revolt. Car il y a une promesse que Dieu t'a donnée, tu ne vois pas ça à l'accomplissement. Tu dois te révolter. When you see a promise God has given you.
and then you don't see it coming to pass, you have to get revolted. Il ne faut pas rester dans cet état. Don't remain in that state. Vous devez vous révolter. You have to be revolted. Parce que l'ennemi sait que vous êtes un homme béni. Because the enemy knows that you are a blessed person. Et il est venu substituer la bénédiction de Dieu par la malédiction. And he came to change your blessing into a curse. Et vous êtes en train de trouver ça normal. And you find it normal. Une dame m'a dit. Sorry? Une dame m'a dit. The lady told me. Elle était avancée en âge. She was quite old. Mais elle ne trouvait pas. Il n'y avait personne qui l'a proposé en mariage. And no one proposed her to marry her. Elle trouvait ça normal. And for her it was normal. Elle vivait comme ça. She was living like that. C'était sa vie. It was her life. Mais à un certain moment. But at some point, elle regarde son âge. She looked at her age. Elle se dit, mais non, c'est pas normal. She said, well, this is mais quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir des enfants? When am I going to have children? Elle a dit non. She said no. Bien aimé, le jour qu'elle a pris la décision, the day she took the decision de prier pour son mariage, pray for her wedding, c'est ce jour-là qu'elle a vu les églises de Dieu s'ouvrir. Parce qu'elle a pris conscience de son état. Because she became conscious of her state. Si je reste comme ça, if I remain like this, je vais coiffer la Sainte Catherine. I will end up alone. Je ne veux pas me marier. I will never. L'âge a tellement avancé. And I will be. Je vais rester comme ça. And I will remain like that. Mais elle a pris conscience de son état. And she became conscious of her state. Elle s'est mise à prier. She started praying. Et la bénédiction qui était bloquée. And the blessing that was blocked. Était ouverte. Was opened. Elle a reçu sa bénédiction. And she received her blessing. Donc bien aimé. Beloved, nous devons être prudents. We have to be careful. De ne pas nous contenter de ce que nous voyons. Not to accept whatever we see. Si cela n'est pas dans la volonté de Dieu. If it is not in the will of God. Si c'est la volonté de Dieu, nous acclamons Dieu. When it's the will of God, we praise the Lord. Si c'est la volonté de Dieu, nous le bénissons. If it's the will of God, we bless the Lord. Parce que si nous marchons avec Dieu. Because when we are working with the Lord. Nous sommes dans la crainte de son nom. We fear His name. Arrive dans notre vie. Whatever comes into our life, que cela soit mauvais, whether good, que cela soit bon, or bad, c'est pour notre bénédiction. For our blessing. Dieu fait concourir tout ça pour notre bien. He's doing all that for our good. Mais si tu comprends que c'est l'ennemi qui a la même mise sur toi, but when you know that it is coming from the enemy, là, then, tu dois t'élever. You have to get up. Maintenant, comment maintenant nous devons nous réveiller de ce sommeil? But now, how do we wake up from this sleep? Comment nous devons nous réveiller de ce sommeil? How do we wake up from this sleep? Ephésiens 5, 14. Ephesians 5, verse 14. This is what it says, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Alléluia. Alléluia. Ephésiens 5, 14. Ephésiens 5, 14. Romains 11 aussi. Romains 13, 11. Romains 13, 11. And do this understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Je peux encore lire en attendant que je cherche le verset en français. And do this, Romans 13:11. And do this understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Je lis Ephésiens 5:14. Ephesians 5:14. Car tout ce qui apparaît est lumière. Et c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ répandra sa lumière sur toi, resplendira sur toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la promesse de Dieu est pour nous. The promise of God. Il a besoin d'apporter la lumière sur nous. He wants to bring light in us. Mais il nous demande ceci. But he's asked. Question seulement que tu prennes la conscience. It is just you who has to be conscious. Les enfants de Dieu, the children of God, en Israël, in
Israel, ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Disobeyed the will of God. Et Dieu les a envoyés en servitude. And God sent them to slavery. Mais dans leur servitude, but in their slavery, pendant qu'ils étaient oppressés par l'ennemi, when they were oppressed by the enemy, ils se sont souvenus de leur Dieu. They remembered about the Lord. Et Dieu, ils se sont souvenus de la promesse de Dieu. They remembered the promise of God. C'est pour la liberté que Dieu les a rachetés. It was for liberty that God has redeemed. Lorsqu'ils ont vu les afflictions et les tourments, when they saw all the sufferings and the torments, ils ont crié vers l'Éternel. They started shouting to the Lord. Ils ont crié vers Dieu. They shouted to the Lord. Dieu les a écoutés. He listened to them. Toutes les fois que vous êtes en train de vivre, all the problems that you are going through. Et que vous trouvez que le lieu où vous trouvez qu'il y a la mort et les ténèbres qui dominent. And every time you find that there is death or darkness around. Et qu'il n'y a plus de lueur d'espoir dans ce que vous êtes en train de faire. And you can't see any more hope in whatever you're doing. Il n'y a pas de souffle de vie dans ce que vous êtes en train de faire. There's no life in what you're doing. Vous vous retrouvez comme si dans un endroit vous êtes sous un arbre et qu'il n'y a pas de feuille qui bouge, il n'y a pas de vent. You are in a space where there's a tree and there's no shade and there is no wind. Le ciel semble pour vous comme un ciel d'hiver. And the sky looks like it's closed. La terre est comme la terre des fers, donc rien, il n'y a aucune production. And earth looks like empty, there's nothing. La vie d'une personne caractérisée par une sécheresse. The life of a person that we would say a life of dryness. Une atmosphère mortelle et malsaine dans la vie. The atmosphere is just like a dead atmosphere and bad atmosphere. Et dans cette souffrance-là que vous êtes en train de traverser, and in this suffering that you went through, cela doit vous pousser. That has to push you de vous approcher de la présence de Dieu. To come closer to de crier vers l'Éternel. De crier vers l'Éternel. Shout to the Lord. Vous avez la prière faite avec détresse, avec un cri de détresse. You know the prayer that you will do with that shout. C'est cette prière là qui amène le réveil dans la vie d'un homme. That is the prayer that will bring a revival in your own. Il regarde la situation qu'il a. You look at your situation. Et il crie vers l'Éternel. And you shout to the Lord. Et par cette cri là. And by this shout. La Bible dit. Quand le juste crie, when the just, the righteous shouts, l'Éternel attend. The Lord hears. Et lorsqu'il attend, and when he hears, là où il y avait la sécheresse, where there was dryness, il envoie la pluie de la pluie abondante. You send an abundant rain. Il va envoyer la pluie de l'arrière saison. You send the abundant rain. Pour enlever cette sécheresse. To remove all the dryness. Alléluia. 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 Est-ce que j'ai encore le victoire avec moi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne nous croisons pas le bras. So, let's not remain waiting. Ne croisons pas les bras. Don't just cross your hands. Sous prétexte de dire que le temps de Dieu n'est pas encore là. Because with the pretext that the time of God hasn't come yet. Ne croisons pas le temps. Don't cross our hands. Comme nous avons encore le souffle aujourd'hui. As we are still alive today. Tu as encore la force de faire quelque chose. You still have the strength to do something. Faites-le. Do it. Ne cherchez pas un prétexte. Don't look for pretext. Vous savez dans le livre de Agé 1-2. You know in the book of Agai 1-2. Les enfants d'Israël devaient construire des temples. The children of Israel had to build a temple. Mais en eux-mêmes, ils se sont dit. But inside themselves, they said. Le temps n'était pas encore. It wasn't the right time. Mais comment tu sais que le temps n'est pas encore? But how do you know it's not the right time? Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Comment tu sais que le temps? You are in the presence of God. How do you know the time hasn't come yet? Dieu t'a dit que le temps n'est pas encore venu. Has God told you that? Le temps viendra quand tu vas marcher avec le bâton. When will the time come? When you'll be all walking with the stick? Vous devez profiter de ce temps-là que vous avez la force de faire quelque chose. You have to take advantage of this time that you have the strength. Ne nous cachons pas que c'est la volonté de Dieu que je dois attendre. Don't hide ourselves behind the fact that it's the will of God that I have to wait. D'autres personnes disent. Other people say. Et ils tombent dans le piège, ils disent Dieu est souverain. They say
The Lord is sovereign. Il agit selon sa volonté. He does things according to his will. Nous devons attendre les moments de Dieu. We have to wait for. Si nous regardons les choses comme ça, if we look at those things, if we look at things like that, les choses ne vont pas marcher. Things are not going to work. Nous resterons dans le sommeil. We're going to remain asleep. Nous resterons dans le sommeil. Le réveil ne viendra pas. The revival will not come. La volonté de Dieu se voit. What is the will of God? Si lui-même il peut dire que ne le mettez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui à même. If he himself said that, don't postpone what you can do today. Don't postpone it today. Que l'espace de temps que je peux vivre, mais c'est aujourd'hui, bien aimé. The time that I can live is today. C'est la minute qui vient, je ne sais pas. I don't know what will happen to me in the next minute. Le soir qui vient, je ne sais pas. The next hour. Donc si je suis à mesure de faire une chose aujourd'hui, so if I can do something today, je dois le faire. I have to do it. C'est la volonté de Dieu en cet instant-là. Je dois le faire. It's the will of God in this instant, so I have to do it. À ce moment-là, j'ai capté la pensée de Dieu. Because at that time, I had understood the mind of God. Et je dois le faire. I have to do it. Mais si tu ne le fais pas, but if you don't do it, peut-être que tu as raté ton temps de visitation. Maybe you have just missed your time of visitation. Tu as raté ton temps de visitation. You missed the time of visitation. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons être branchés dans la prière. So we need to be connected in prayer. Être connecté dans la prière. Connected in prayers. Être dans la présence de Dieu. In the presence of God. Et nous sommes sûrs que nous avons un avocat auprès du Père qui est capable de trancher le problème à notre faveur. And we know that we have a lawyer who is by the Father, and he can give justice for us in our favor. N'est-ce pas là un avantage pour nous? We have that advantage. C'est un avantage pour nous. It's an advantage. D'avoir quelqu'un à côté du Père qui est en train de chercher la solution pour nos vies. To have someone next to God who can find solution, who is trying to find solution for our lives. Dans la prière. In prayers. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose. The second thing. La deuxième source. The second source. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Alléluia. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Psaume 119, verset 105. Et Dieu doit demander une aide. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Je jure et je le tiendrai. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. The word of God est une lumière sur notre sentier. Is a light on our path. Bien aimé, si nous marchons dans la parole de Dieu, when we walk according to the word of God, comme la prière aussi est une lumière, because the prayer is a light, qui change le ténèbre en lumière, that changes darkness into light. La parole de Dieu aussi. The word of God too. Comme nous marchons ici sur la terre. As we are walking on this earth. Est une lumière sur notre voie. Is a lamp on our way, on path. Imaginons que nous sommes en train de marcher dans un endroit ténébreux. Just imagine that you are walking on a dark place. Je marche dans un endroit ténébreux. You are walking on a dark place. La parole de Dieu est comparable à une torche. And the word of God is compared to a torch. Quand bien même le ténèbre est en train de vous couvrir. But even if there's darkness all around you. La torche là vient pour vous montrer la voie à suivre. La lumière donne la lumière sur le sentier que vous êtes en train d'emprunter. That torch will light the path to show you where to walk. Mais si nous abandonnons la parole. And if we let the word of God. Le ténèbre que le diable envoie à nous. The devil is sending us. Prendra place.
will take space. Et nous allons continuer à tomber. And we'll continue falling. Nous allons continuer à faire des accidents. We'll continue having accidents. Et aussi ne pas atteindre notre objectif. And we may not even reach our goals. Ne pas aller atteindre votre objectif. And we may not reach our goals. N'est pas le succès. And we won't even succeed. Mais Dieu veut que nous puissions avoir le succès dans tout ce que nous faisons. But God wants us to be successful in everything we do. Mais ce succès-là, nous l'obtiendrons seulement si nous sommes en train de marcher dans la lumière de la parole. But the only way we're going to have that success is when we are walking in the light of the word. Cette lumière-là est en train de nous frayer le chemin. That light is showing us the way. Les enfants d'Israël ont compris. The children of Israel understood that. Alors qu'ils étaient dans le désert. When they were in the desert. S'ils ne voient pas la nuée ou les colonnes de feu, la colonne de feu bouger. When they didn't see the la colonne de feu. The colonne of fire. La colonne de feu ou la nuée. Or the smoke. Qui les conduisait. That was showing them the way. Ils ne pouvaient pas bouger. They wouldn't move. Parce qu'ils se disaient, si nous marchons, if we walk, nous allons nous perdre. Miss our way. Que la lumière puisse nous diriger. And when the light is showing us the way. Cette lumière-là était la présence de Dieu. That light was the presence of God. Mais cette présence de Dieu, nous pouvons aussi l'expérimenter à nos jours par sa parole. But today we can still experience the presence of God. Cette parole l'a fait nous guider et nous amener dans le lieu sûr. And that word can take the word of God can take us to the right place. Beaucoup d'entre nous. Many of us, nous faisons l'erreur. We make the mistake. Nous sommes en train de développer beaucoup plus nos capacités intellectuelles. We are trying to develop our own intellectual capacities. Nous développons les capacités de l'intelligence naturelle. We are trying to develop our natural capacities. Et nous abandonnons l'intelligence de la parole de Dieu. We forget about the intelligence that we find in the Word of God. Nous oublions ce qui est l'intelligence spirituelle qui est la parole de Dieu. We forget about the spiritual intelligence that is coming from the Word of God. Cela maintenant crée des difficultés dans la vie des enfants de Dieu. That is why you have a lot of difficulties in the life of the children of God. La parole de Dieu. The Word of God. T'apprend. Teaches you. Comment est-ce que tu dois défendre tes droits? How you can defend your own rights. Comment tu peux défendre ton droit auprès de l'Éternel? How you can defend your rights in front of the Lord. Mais bien souvent, but most of the time, nous abandonnons la parole. We leave the word. Et la plupart des chrétiens n'aiment pas la parole de Dieu. Many people don't like the word of God. N'aiment pas connaître la parole de Dieu. They don't like to know the word of God. Ils se disent, en fait, mon pasteur est là. And they say, oh, my pastor is there. Il prie pour moi. He's praying for me. Il lit la parole de Dieu pour moi. He's reading the word for me. C'est bien, il le fait peut-être pour toi. Yes, he's doing that for you. Mais je voudrais t'amener à une réflexion. I want you to come to one thought. Les pasteurs de ce monde sont comme les avocats. The pastors are just like the lawyers. Il est comme un avocat. He's just like a lawyer. Aujourd'hui, il a ton cas. Today he has your case. Il a ton cas. He has your case. Lorsqu'il te pose ça auprès du juge. When he takes it to the judge. Il est ça là-bas. He needs to be there. Il va dans un autre cas. He goes to another case. Il va dans un autre cas. He goes to another case. Et peut-être que tu ne sais pas. And you don't know it. La dernière fois qu'il a prié pour ton cas. But the last time you prayed for your case. C'était le jour où tu étais dans son bureau. It was the last time you met him at his office. Et quand tu as laissé son bureau, il n'a pas prié pour ce cas-là. And when you left his office, he didn't pray for your case anymore. Ce n'est pas de sa faute. It's not his fault. Il a 500, 600 membres dans l'église. He has 500 or 600 people in the church. Bien, mais s'il m'a prié pour vous pendant une nuit, je prends les 0h à 6h du matin. If he can pray for you for a whole night from midnight to 6 a.m. Combien de minutes il va dispatcher pour chacun de vous? How many people is he going to give to the other members? Vous avez des secondes et des secondes. So you have on second. Chacun de vous peut avoir 30 secondes. Si tu ne connais pas tes droits, if you don't know your own rights, tu crois que cette personne-là connaît le droit mieux que toi et qu'il va le faire. And you think that other person knows the rights better than you and he can help you. S'il ne le fait pas, and if he doesn't do it, tu ne trouves pas que tu es statique, tu es bloqué quelque part. Don't you see that you remain static and blocked off? Tu ne trouves pas que tu n'avances pas. Don't you see that you don't move on? Tu ne trouves pas que tu n'avances pas. You don't move.
y a quelqu'un qui vient prêcher, if someone comes and preach, il prêche, they preach, je prends ce qu'il dit. C'était la pensée de Dieu qu'il a mis en lui pour ma vie. That was the word of God given to that person for me. Je note ça. I take it and I write it down. Mais la personne n'a pas lu la Bible pour moi. But the person didn't read the Bible. Lorsque je prêche là, when I'm praying right, je ne prêche pas pour vous. I'm not preaching for you. Je ne prêche pas seulement pour vous. I'm not preaching only for you. Cette parole là aussi va tout dans mon cœur. Yeah, that preaching also goes inside. Si je ne connais pas la promesse de Dieu, if I don't know the promise of God, je ne saurais pas réclamer les droits. I won't be able to claim my rights. Mais si tu es malade, if you are sick, comment tu vas déclarer dans la prière? Tu vas demander à Dieu de te donner la guérison. How can you ask God to heal you? Si tu n'as aucune promesse de la parole de Dieu correspondant à la maladie, if you don't know the word of God in any scripture that will tell you to go and claim for your health. C'est comme un juriste qui va défendre un cas. It's just like a lawyer who's going to defend the case. Il ne connaît pas la loi. And he doesn't know the law. Il commence à parler comme ça. You start talking just like that. Cette personne n'a pas volé. This person didn't steal. Vous savez. You know. Vous savez. You know. Vous savez. You know. Mais si vous connaissez la loi, but when you know the law, ceci, you say this. Il est écrit. It is written. Il est écrit. It is written. Vous servirez l'Éternel. You will serve the Lord. Il bénira votre père et haut. Il bénira votre pain et eau. He will bless your bread and water. Et il éloignera de vous les maladies. And he will push away all sickness from you. Lorsque le juge qui est Dieu attend ça, when the judge who is God, il regarde dans la constitution qui est la parole de Dieu. He looks at the constitution which is the word of God. Il est écrit comme ça. He said it is really written like this. Mais qu'est-ce qu'il va faire? What can he do? Il va donner la guérison. He will give you the healing. Parce que c'est ce qui est écrit. But when you don't know what is written, comment tu vas appeler à Dieu ses promesses? How can you go to God and really ask? Même votre prière sera inefficace. Even your prayer becomes inefficient. Ça sera inefficace. It becomes inefficient. Parce que Dieu dit, because God says, je viendrai comme un voleur. I will come like a thief. Et si vous voulez attraper un voleur, and if you want to catch, il faut attraper la main dans le sac. You need to catch the man. You know, you have to hold their hand after stealing. Vous l'attrapez la main dans le sac. Et pour attraper Dieu, and to catch God, il faut attraper dans sa parole. You have to catch him on his word. Bien, il y a une chose que Dieu est faible dans ce monde. Il y a une chose, si vous voulez connaître la faiblesse de Dieu, if you want to know the weakness of God, la faiblesse de Dieu, the weakness of God, réside is dans l'accomplissement de sa parole. In the accomplishment of his word. Voilà la faiblesse de Dieu. That's the weakness of God. Lorsque tu dis il est écrit, when you say it is written, Dieu prend ça en considération. He takes it into consideration. Hallelujah. La prière et la parole, bien-aimé, the prayer and the word of God, sont les deux sources divines, are the two divine sources, qui peuvent produire le réveil dans la vie d'un homme. That can bring revival in someone's life. Elles sont les deux piliers. They are the two pillars. De vrais piliers. The true pillars. De christianisme. Of Christianity. Pour vivre le vrai réveil, ces deux éléments, those two elements, lorsque vous les associez, when you put them together, rien à faire, there's nothing else. Le réveil vient à votre vie, et vous verrez votre vie aller de l'enfant. Que Dieu soit loué pour ce matin. May God be blessed this morning. J'avais dit que je ne serais pas long, yes, mais je trouve que j'ai presque fait une heure du temps. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Can we stand up to pray? Nous allons prier ce matin. We're going to pray this morning. Demande à Dieu d'apporter le réveil dans ta vie. Ask the Lord to bring revival in your life. Demande à Dieu d'apporter le réveil dans ta vie. Ask the Lord to bring revival in your life. Si vous étiez tombé dans la faiblesse spirituelle, if you have come into a spiritual sleep, c'est-à-dire que votre vie de prière et votre vie de méditation était devenue faible, if your life of prayer and your meditation time has become weak, ce matin je te demande à ce que nous puissions prier tous à l'Éternel. This morning I'm asking you to pray to the Lord. Que Dieu apporte le réveil, so God will bring revival dans notre vie spirituelle, in your spiritual life. Au nom de Jésus-Christ, prions tous les jours.
Yakabara shido boruku yakabara kinda. Rakabara kuya kabara shido boruku yeke bara kundu. Roku yakabara shido boruku yeke bara kinda. Seigneur Dieu de gloire, mon roi. Nous sommes conscients, Seigneur mon Dieu, Père très saint de notre vie, Seigneur mon roi. Nous sommes conscients, Seigneur mon Dieu, Père très saint du temps que nous sommes en train de passer. Nous sommes conscients, Seigneur mon Dieu, Père très saint mon roi, de moments difficiles, Seigneur mon Dieu, Père très saint mon roi, que nous sommes en train de passer. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, des armées, mon roi, ce matin, ô Yahweh, que ta lumière descende dans notre vie, Seigneur mon roi. Apporte ton assistance divine, Seigneur mon Dieu, en nous, Seigneur mon roi. Apporte le réveil spirituel, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, Seigneur mon roi. Apporte le réveil spirituel dans nos vies, Seigneur mon roi. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, Père que ça, mon roi, qui sont en feu et en flamme, Seigneur mon roi. Afin, Seigneur mon Dieu, Père que ça, mon roi, de garder l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de Dieu dans notre vie, Seigneur mon roi. Au nom de Jésus, que nous te prions, Seigneur mon roi. Que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur mon roi. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta puissance. Nous voulons vivre la manifestation de la main de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon roi, que nous te prions, Seigneur mon roi. Laisse, ô Dieu, les amis, mon roi, que c'est déprié, Seigneur mon Dieu, le christianisme, Seigneur mon roi, nous soit accordé, Seigneur mon roi, Père Cassin, ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus, que nous te prions, Seigneur mon roi, manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Beloved, we're going to pray. Nous allons prier. We're going to pray now. Nous allons demander à Dieu. We're going to ask the Lord. Qu'il envoie les réveils dans nos églises. To send revival in our churches. Que Dieu envoie les réveils dans nos églises. For God to send revival in our churches. Que nous puissions vivre les églises glorieuses sur la terre. To lead glorious churches to see. Une église puissante en parole et en prière. See churches that are powerful in prayer and the word of God. Une église enflammée dans la prière et dans la parole. The church is in fire for the word of God. Cela est possible par le Saint-Esprit. That is possible through the Holy Spirit. Élevons tous nos voix et prions tous l'Éternel. Let us pray to the Lord. Seigneur Dieu des armées, mon roi, je te prie, Seigneur, ô mon Dieu, laisse, ô mon roi, que tu envoies le feu, Seigneur, ô mon Dieu, Père Christ, mon roi, de prière, Seigneur, ô Dieu, dans nos églises. Je te prie, Seigneur, ô mon roi, Père, que la connaissance, Seigneur, ô Dieu, inonde nos églises, Seigneur, ô mon roi, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô roi. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, que tu le sentes, Seigneur, mon roi, que tu le sentes, Seigneur, mon roi. Donne à nos hommes de Dieu, Seigneur, mon roi, la force, la puissance, Seigneur, mon Dieu, Père, que ça, mon roi, de demeurer devant ta présence, Seigneur, mon Dieu, des heures et des heures dans la prière, dans la méditation de la parole, Seigneur, mon Dieu. Donne, Seigneur, mon Dieu, Père, que ça, mon roi, cette grâce aussi, Seigneur, mon Dieu, à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, qui vient à l'église, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, que nous te prions. Alléluia. Nous allons maintenant détruire, paralyser toutes les actions du diable. We are now going to destroy and paralyze all the actions of the devil. Toutes les flèches qu'il envoie dans la vie des enfants de Dieu. All the arrows that he sent to the life of the children of God. Les flèches du sommeil qu'il dresse devant les enfants de Dieu. The arrows of sleep that he's putting in our lives. Une vie de manque de méditation et de prière qu'il envoie aux enfants de Dieu. The lack of no meditation that is sent to the children. Ce matin, nous allons briser toutes ces flèches. Then we're going to break those arrows. Et proclamer la gloire de Dieu. Proclaim the glory of God. Au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus, we pray. Seigneur mon Dieu Père, dans notre intimité avec toi, dans notre relation avec toi.
toi, Seigneur mon Dieu. Cet après-midi, Seigneur mon roi, nous les maîtrisons, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon roi, je brise, Seigneur mon Dieu, les flèches, les arcs du diable, Seigneur mon roi. Dressez contre ton peuple, dressez contre nos vies, Seigneur mon Dieu. Je les brise, Seigneur mon Dieu, ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon roi, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que ta gloire descende dans nos vies. Nous prions, Seigneur mon Dieu, car il est écrit. Reçois l'honneur, le Saint d'Israël. Receive all the honor of you, the Lord. Ce matin, nous étions dans ta présence. This morning, we were in your presence. Le fait de notre cœur, Seigneur, ô roi. The wish of our heart, O Lord. Que nous puissions nous réveiller. Is to be wakened up. Comme il est écrit dans ta parole. As it is written in your word. Réveille-toi, toi qui dors. Wake up, you who are sleeping. Relève-toi d'entre les morts. Get up from the dead. Et Christ éclairera. And Christ will shine. Nous accueillons, Seigneur mon Dieu, ce matin ta lumière dans notre vie. This morning, Lord, we welcome your light in our lives. Nous accueillons ta gloire dans nos vies. We welcome your glory in our lives. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu. Give us the strength, O Lord. De nous mener dans ta présence. To remain in your presence. Fais-nous de flammes de feu. Make us with the flames of fire. Afin que toute gloire vienne à ton nom. So that all the glory comes to you. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. In the name of Jesus, we've prayed. Nous avons dit Amen. And we say Amen. Nous acclamons les Amen. Alléluia. The message really touched me and talked to me. I hope that it did the same with most of you or all of you. Because God is good. And it is true. The word of God is a light. The man of God just said it. The word of God is a light. And remember the story of Jacob in Peniel. He said the word of God says that Jacob, that's the time God changed his name from Jacob into Israel. Why? Jacob fought with God and he won over God. He's not Jacob. What? Jacob is just like you and me. You know what? It was the word of God that he used against God that made God to say, yes, you have won over me. Jacob held the angel of the Lord and said, today, like they say in Nigeria, today, not today. Amen. You're going to hear me. You're going to do something for me. And in the morning, Jacob's name was changed from Jacob into Israel. This is exactly the message we had this morning. Many of us go through a lot of things, but sometimes it becomes normal. Sometimes when it doesn't become normal, we just leave it like, okay, it will go all alone. Well, that's not what we should do. We should stand up, take the word of God, go back to the Lord and say, it is written. Even Jesus himself did that. The devil came to tempt him. He said, what? It is written. Amen. So we should go back to man of God. I will listen to it again today because, you know, I was translating, I really want to listen to it once again. Once it's online, I will listen to it just to make it, so it becomes a living word for me. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. So, wow, we're going to end.